Messieurs, dames, bonjour! Stream surprise. Alors qu'il annonçait un live vendredi, il stream finalement jeudi. Je sais, c'est incroyable. Calmez-vous et bienvenue. Bienvenue sur ce live du jeudi 9 décembre. La température est extrêmement fraîche, en dessous des normales de saison. Mais rassurez-vous, on va essayer de vous donner un peu de chaleur, un peu d'amour. C'est ça que vous venez chercher sur Amos Live et c'est ça qu'on va vous donner. Aujourd'hui, le programme est simple, on va jouer à Sable 2 heures. Pourquoi je stream jeudi plutôt que vendredi? Puisque, hasard du calendrier, finalement, j'étais dispo. Et en plus, New World est en maintenance. Alors forcément, il fallait trouver quelque chose à faire et finalement, le stream, c'est une bonne alternative. Aussi aujourd'hui, grande nouvelle, grande occasion, nous allons essayer de réparer la Dynamo. Dynamo, vous souvenez-vous, c'était un live il y a maintenant 2 semaines. Nitra et Ranos me demandent de recharger la Dynamo. Dans un engouement, puisque c'était la reprise des lives, je m'excite, je m'exécute. Et patatras, je casse la Dynamo. En live, c'était un événement absolument terrible. Je pense que ça en a traumatisé certains. La VOD est disponible, mais éloignez les enfants pour ce contenu qu'on considère comme sensible à caractère explicite. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît, car aujourd'hui, on va peut-être potentiellement réussir à la réparer. L'eau est en train de chauffer, parce que vous allez voir, ce sera une activité qu'on va faire là directement en début de live, avant de lancer le jeu. Je sais, calmez-vous. Mon Nobu, d'ailleurs, je vais la chercher. On va faire une petite démonstration on the spot. À tout de suite, j'arrive. Alors, oh putain, c'est chaud, je suis en train de me brûler. Bah oui, c'est de l'eau bouillante, mon con. Alors, messieurs, dames, j'avais annoncé que je ferais ça avec un produit qu'on appelle le Lidéform. Je vais faire mon commercial un peu. Lidéform est un produit un peu miracle. C'est du plastique à l'état solide qui, une fois mouillé ou trempé dans de l'eau chaude, redevient modelable et peut ensuite prendre la forme qu'on lui donne. C'est un peu une imprimante 3D du pauvre. Et c'est assez formidable quand on a des petites pièces plastiques à réparer, comme notre Dynamo aujourd'hui. Alors ça se présente comme cette chose-là. En fait, c'est une tablette, mais là, j'avais que ça sur moi. Mais je pense que ça suffira en termes de quantité. J'espère qu'on m'entend. Si je fais tout ça alors que je suis muet, c'est la hesse. Donc l'idée, c'est simple. C'est que vous faites chauffer de l'eau, comme un thé. Vous faites un thé, en gros. J'ai mis ça dans le plus beau des verres. Vous avez vu, un verre un peu Copacabana. Et en fait, j'essaie de vous le montrer sans me brûler, parce que ce serait terrible de faire tomber un verre d'eau chaude. Oh, on voit la fumée. Vous voyez la fumée? C'est sans trucage, par contre. Vous pouvez faire ça chez vous, mais attention, ne vous brûlez pas. Hein. D'accord? Et ensuite, je fais donc tomber mon plastique à l'état solide. Vous voyez, c'est solide. Dans l'eau chaude. Hop! Dans l'eau chaude. Au bout de quelques minutes, le plastique là, que vous avez eu solide deviendra modelable. On va le sortir. On peut essayer de tâter avec la cuillère hein, pour voir. Je vais essayer de vous montrer sans me brûler. C'est tout l'objectif. Vous voyez, là, pour l'instant, ça chauffe. Vous ne voyez absolument rien. C'est formidable. Et là, en fait, avec ma cuillère, j'essaye de voir. Bon, ça commence déjà à avoir une sale gueule. Ça commence déjà à se modeler. C'est un produit extraordinaire. Alors, on l'utilise. Oui, je fais un peu la pub pour le produit. Ceci n'est pas sponsorisé. Je tiens à vous préciser, ceci n'est pas sponsorisé. Non, du tout, du tout. Du tout. Donc c'est un produit vraiment à base de plastique solide, mais gorgé de molécules d'eau, qui fait qu'une fois qu'il est mis dans une température extrêmement intense, devient un peu modelable. En fait, il ne devient pas liquide, il devient plutôt un solide mou, qui est une forme physique, je me sens. On appellera Dr. Nozman pour plus de précision. Vous voyez, déjà pour l'instant, voilà, ça fait une boule. Pour l'instant, ça fait un gros chewing-gum. Vous allez voir, après, c'est très modelable. Bon, après, l'idée, c'est pas de se brûler avec non plus. Et en fait, je suis en train de me débattre parce que ma cuillère est coincée dedans. Voilà, retourne dans l'eau. Voilà, tout va bien. Vous voyez, pour l'instant, si on regarde un peu ma cuillère, vous voyez, il y a un bout de plastique là. Vous voyez le bout de plastique? Bon, voilà. En fait, en gros, ça devient modelable, quoi. Et donc, une fois que ça sera bien mou, on va essayer de l'insérer dans l'orifice de la dynamo, qui est ici, pour essayer de la réparer. Et ensuite, on réintroduira la manivelle que vous voyez juste ici.
histoire que ça fasse le lien. En fond, là, on écoute les dunes de sable. Oui, parce qu'on joue à sable aujourd'hui. J'avais dit que je le ferais en live, c'est pour ça que je le fais. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui va regarder ça aujourd'hui. Et en même temps, on comprendrait pourquoi. Il y a peut-être d'autres choses à faire aujourd'hui. Mais bon, c'est toujours intéressant. Et puis les VOD seront disponibles, alors comme ça. Comme ça. Est-ce que je peux déjà le faire? Non, on va attendre encore un peu. Vous savez quoi? On va attendre encore 1 minute. Je vais touiller en attendant. Et l'idée forme est assez formidable puisque il sert à plein d'usages. Hein. Je fais encore de la pub, mais le toucher est agréable. Il est complètement écologique parce que dès qu'on a fait la forme et qu'on n'aime plus trop ce qu'on a fait, on peut le remettre dans l'eau et il redeviendra modelable. Il n'y a pas de perdition de matière, par exemple. Et puis, il est complètement inoffensif, incolore, inodore. On peut le mettre sur des aliments, parce que je sais que beaucoup de gens réparent leur frigo avec ça. Dès que vous avez une pièce de frigo qui est cassée, c'est chiant de devoir tout changer. Souvent, les pièces, on ne les trouve pas en plus dans le marché. Donc, ça peut être votre solution. Voilà, l'idée, c'est de vous donner un peu des astuces. On est aussi un live informatif. On peut s'émanciper un peu du gaming et aller chercher d'autres secteurs, d'autres domaines de connaissances. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je continue de touiller, vous voyez ma main. Ça fume plus trop, ça fume plus trop, hein, donc ça c'est en train de réduire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Attendez, je vais enlever le verre. J'enlève le verre, j'enlève les gougouttes. Voilà à quoi ça ressemble. C'est sur ma cuillère et je mets de l'eau partout. On peut le toucher normalement, il n'y a pas de problème. Parce que la chaleur n'est pas si énorme. Et vous voyez, là j'ai vraiment un chewing-gum. Et c'est le même plastique que vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors l'idée. On le touche un peu pour enlever l'eau qui est en surface et on va venir le présenter dans l'orifice. On voit qu'en fait on a un mécanisme à l'intérieur avec des engrenages. L'idée c'est d'aller épouser. Alors on va faire plutôt une forme un peu plus. C'est comme de la pâte à sel hein? Ou de la pâte à modeler. Vous choisissez. Alors en fait il y a trop de produits là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper. Faut aussi se dépêcher parce que forcément. Bah, ça va revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se resolidifier. Et si j'insère quelque chose qui n'est pas bon, ça sera un peu plus dur à venir enlever. D'ailleurs, je pense que j'en ai encore trop mis. Ça commence déjà à se solidifier en tabernacle. Donc je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Le stress est présent. Vous voyez là, j'ai rempli. Hop! Pendant que c'est encore modelable, vite, j'insère. J'insère le mécanisme. La manivelle est insérée dedans, en plein dedans. Et maintenant, il faut attendre le séchage. Parce que mon objectif, c'est qu'en fait, en ayant forcé comme ça le produit, il ait pris la forme de l'engrenage et donc qu'il fasse pression avec la manivelle et qu'on ait quelque chose qui fonctionne. Voilà. Maintenant, il faut attendre. On attend le séchage. On va donc lancer le jeu. En attendant, vous voyez, bah, le plastique là, il devient déjà très dur. Bon, ici, aux extrémités, en fait, là, il y a moins de matière. Là, j'ai encore modelable, mais c'est beaucoup moins modelable que tout à l'heure. On va le mettre dans l'eau chaude en attendant. Encore une fois, inoffensif pour le verre, pour les aliments derrière qui toucheront le produit. Hein, ne vous inquiétez pas. Et pendant que ça tient, en espérant que la dynamo puisse être réparée, on va attendre. Là, on touche rien. Là, on la laisse reposer. Laissez reposer, comme dirait Maïté. On va aller jouer, nous, de ce pas, parce que ça fait déjà 11 minutes de live et il n'y a absolument eu aucune session de gaming. On y va, c'est tout de suite pour ça. C'est mieux. Même si on est en plein dedans, c'est mieux quand même, vous allez voir, in-game. Alors souvenez-vous, nous étions arrêtés face à une forêt qui avait l'air extrêmement, extrêmement particulière. Mais je ne sais pas vraiment si on va aller la voir, parce qu'il y avait aussi une ville qu'on avait perdue, qu'on avait vue à l'horizon, mais une fois dans les environs, on ne l'avait pas trouvée. Donc je me demande ce qu'on va faire. Je me demande qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, encore ce bug. Ce qui est très drôle avec ce jeu, c'est que j'ai un bug. Il m'enlève mon masque. Comme s'il ne voulait pas que je le mette encore. Alors, ce vaisseau-là, on l'avait fait. On avait essayé de le.
de le compléter, mais on n'avait pas vraiment tout trouvé, parce qu'apparemment il y a encore un mystère, puisqu'il est encore rouge. Même si je suis pas encore sûr de cette théorie, j'ai l'impression que quand c'est rouge, c'est que on l'a pas, on n'a pas tout vu. Mais en même temps, on l'a quand même pas mal exploré, donc voilà. On est où là dans la map? On est où dans la map? Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense qu'on va retourner au cartographeur pour essayer d'aller voir la ville en question. Histoire de... Hein? Ouais. Parce qu'on peut se déplacer rapidement, et ça c'est cool. C'est parti! Toujours très drôle le petit bruit de cloche. On va se dire qu'à 30, à 9h30, là il est 9h21, à 9h30 on regarde si la dynamos a bien pris. Alors, souvenez-vous, c'était là. Il y a une ville là que j'avais vue. Là! Ce monsieur là. Donc si je me mets comme ça... En fait, j'arrivais pas à mettre mon curseur dessus. Là, il est dessus, là, le curseur, là. Vous confirmez? Bon. On peut pas se louper, là, les rails. Ah non, mais en fait... Ah! C'était pas le bon curseur! Donc je suis donc bel et bien une daubasse. C'est parti! Avec cette musique. C'est officiel, nous sommes nuls! On va y aller en scooter. Ah, on a eu un succès. Planer, c'est pas ça. D'accord. Simon, viens là! Il arrive, vous le voyez. Vous vous souvenez, on... Bah, il se casse. Monsieur Simon, je vous avais demandé un lift. Je me sens un peu osé de partir. Simon, en fait, on l'aime beaucoup. Mais on soupçonne un problème d'alcoolisme. Voilà, on est un peu inquiet. Les proches sont un peu inquiets, mais... Là, Simon, là! Mais qu'est-ce qui nous branle? Oh là 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 là... Zéverdi! Alors, c'est le double repère. Paf! En ce moment, on a toujours la même musique dans le jeu. Ça doit être peut-être que la musique est liée au niveau d'avancer dans l'histoire, peut-être. Peut-être. Je ne sais guère. Hop là, on va monter. Dans cette lune, c'est compliqué de se repérer. Wow, le 3-6, vous l'avez vu. Oh, wow. Ok. Bon, je suis un peu une chef pour avoir loupé ça, quand même. Attendez, mais du coup, ça veut dire qu'il y a eu des guerres. C'est des statues de guerriers. Incroyable ces monuments. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Ouais, très beau. La DA, toujours au top. Simon, pas du tout au top par contre. Ok, on va passer par là. Allez, on pourra peut-être pas monter. Là, c'est sûr qu'on monte pas, là. Sauf si... Sauf si ils considèrent que ça ne consomme pas de... Si ça consomme. Oh, les gars, c'est mort. Non, mais c'est mort. On faut qu'on monte de l'autre côté. On va passer par la route classique, pardon. Voilà, olé! Attention les FPS s'il vous plaît. Merci, respectez-nous s'il vous plaît. On a quand même mis de l'argent là-dedans, donc merci. Alors. Hey Falcat! Eh oui, on est de retour! Ah, ça me fait plaisir de te voir. Je me disais que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Eh oui, on est de retour depuis 2 semaines où on live tranquillement sur ce petit jeu indé sable pour faire de l'exploration slow run. J'espère que tu vas bien. Ça faisait très très longtemps. On est en train de réparer la dynamo, en plus, tu tombes parfaitement.
Dans 5 minutes, potentiellement la dynamos est réparée. Potentiellement. Sachant que, pour ceux qui n'étaient pas là, la dynamos avait donc été cassée. Triste, triste événement pour la commu. Mais on est en train d'essayer de réparer ça, de reconstruire cette communauté qui a été touchée en plein cœur. Oups, je vais être touché dans le cœur. C'est magnifique cet endroit. J'espère que tu vas bien, Falcat. Est-ce que tu joues toujours à Elder Scrolls Online? Le pro. Falcat, le pro de Elder Scrolls Online. Nice. Ah, petit souci au dos. Ah, c'était pas là. Tu m'en avais déjà parlé en plus, je crois, de ce souci. Ah, dommage. Écoute, force à toi, Falcat, parce que ça... Pour avoir eu aussi des soucis il y a quelques mois, c'est extrêmement, extrêmement fatigant et éreintant. Donc force à toi, j'espère que tu as une solution ou juste peut-être du repos parce que forcément parfois il n'y a pas toujours des solutions. En tout cas, force à toi. Mais oui, moi je vais bien. Merci de demander en tout cas. Ça va très bien. La vie est douce. Beaucoup de choses qui se sont passées, déménagement... Évolution au taf, etc, etc, mais tout va très très bien. On est énormément sur New World aussi, ça c'est une grande partie de ma vie. C'est drôle ces petites éoliennes là. Ah, de l'argent. L'argent. Quand on commence à être vraiment pété de thunes. Hein. Mais en même temps c'est important parce qu'on doit acheter des cartes parfois. Vous avez dit ? Et radio de la colonne en attendant pour... Ah là là là, ouais, écoute. Solution chirurgicale à cet endroit, c'est jamais agréable, mais bon, si c'est possible, tant mieux. Hein. Peut-être des injections aussi. Ouais. Ouais, repos. Bah écoute, force à toi, parce que ça... c'est une tannée, c'est une charge mentale qui est assez... assez épuisante, vraiment. Vraiment. En tout cas, j'espère que... Oh, c'est beau cette couleur. J'espère qu'on trouvera une solution pour toi en tout cas. Quelque chose qui fasse passer un peu les choses plus facilement. Le mal du siècle, le mal de dos, le mal du siècle. On atteint doucement le HL et on PVE et on commence. Ah, nice, nice, nice. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. C'est vrai qu'en plus. Tu joues toujours un orc du coup, j'imagine. Quelle question. Bon bah tant mieux. Tant mieux si tu t'éclates toujours sur Elder Scrolls. Ancient Egg, on est bon. Ça fait plaisir. Hein. PVP très présent sur New World, donc un peu obligatoire. Chose que je connaissais pas du tout avant. Mais qui m'éclate, hein, qui m'éclate pas mal, je vous avoue. Que je trouve un peu plus intuitif que sur Elder Scrolls, parce que Elder Scrolls je trouve qu'il est très technique, alors après faut être très fort. Et ça c'est un peu l'excuse des nuls. Mais en tout cas, un nouvel attrait pour le PVP de mon côté aussi. Même s'il faut bien se build et que c'est un jeu complètement différent à chaque fois. Encore de l'argent. Alors on va pouvoir partir d'ici. C'est beau en tout cas. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est beau. Avant, il y a encore un fossile dans l'eau. C'était une grosse bête. C'était une grosse bête dans l'eau là. On y va. Là, on pourra pas le monter ça par contre. Non. C'est non. Hé hey, Raiko, bonsoir. Raiko qui arrive. Oh, 9h30. Raiko qui arrive pile poil au moment fatidique pour savoir si la dynamo a vraiment été réparée. Rappelez-vous, en début de live, nous avons mis le produit à chauffer. Nous avons introduit le produit dans la dynamo. Il est temps de voir si ça fonctionne. On va passer en facecam. C'est le moment fatidique. J'ai augmenté un peu le nombre de persos. 3 orcs, un handicap, un kajit, un dragon. What? Je connais New World, mais je le trouve trop PVP justement. Je comprends.
Et je comprends cet argument, mais putain, tu t'es chauffé sur Elder Scrolls. Dang. Messieurs, dames. Est-ce que la dynamo refonctionne? C'est le moment de vérité. Devant près de l'ensemble de la commu, je tourne la manivelle. Putain, j'y ai cru. Ah, j'y ai vraiment cru. Ça a commencé à tourner. C'était génial. Ça a commencé à tourner en plus. Aïe, 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 aïe. Ça a commencé. Ah, attendez. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Bah oui, j'imagine que là, ça se clip, ça. Mais en fait, on dirait que ça fonctionne un peu. Pas du tout, pas du tout. Arrête, arrête, arrête. C'est gênant. It's already dead! En fait, il y a plus de matière, mais peut-être que j'en ai pas mis assez. Il est dur maintenant. Il est tout dur maintenant! Attendez, c'est encore modelable. Qu'à cela ne tienne. Je continue. C'est pour vous que je fais ça, c'est pour la commu. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. En fait, je vais mettre encore plus de produits. Je décide de mettre plus de produits. Allez-y, allez-y. Et en fait, on va aussi en mettre là. Ah, ça devient quand même très rigide là. J'aurais dû en faire chauffer de l'eau. On va aussi en mettre un peu sur le teco. T'as capté? Comme disent les jeunes, hein. Et là, l'idée, c'est de forcer un peu. Là, c'est de forcer l'ensemble. C'est de pas lui laisser le choix. J'en ai trop mis. J'en ai clairement trop mis. Tristesse et boule de gomme. Le choix du titre. Écoutez, je vais faire chauffer de l'eau. Trop rapide, vous êtes trop rapide. Vous êtes trop rapide. Attendez, je vais refaire chauffer de l'eau. Je dis pas mon dernier mot, j'arrive. C'était presque, hein. Ah. Ah, j'arrive. Ah là 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 là. Heureusement que je peux compter sur vous pour vraiment filmer l'ensemble de mes réussites. Bon, nous reviendrons sur ce dossier ultérieurement, bien entendu. En attendant, place au gaming. Au pire, je devrais racheter une dynamo, hein. C'est tout. On va devoir faire un crowdfunding. Peut-être même un Kickstarter. Je pense que ça se justifie. Vous l'avez vu le chum mec à droite, hein, vous l'avez vu. On ne l'oublie pas. Prendre de la hauteur. Y'a un mec. Y'a un gonze, les gars. Faudrait que je monte là-dessus, non? Ouais, c'est bon. Oh, c'est beau, ça là-bas. Regardez-moi cette belle montagne. La belle montagne! Aïe. Il y a une grotte dans la montagne. Peut-être que le CNC pourrait financer. Peut-être. Bon, on va trouver un sponsor. Peut-être qu'avec le... La pub que j'ai fait pour le produit Idéforme, peut-être qu'ils vont me sponsoriser. Si jamais vous m'entendez... Il y a plein de feux là. On a un là. Très perturbant. Si jamais vous m'entendez, je suis disponible pour n'importe quel partenariat financier. Allez, on prend ça. C'est parti. Apparemment, je sature un peu.
Je remets le micro à sa place. Ok, donc ça c'est bon. En fait, il y a des villes partout. Ce jeu est, je pense, qu'a une durée de vie presque infinie. Ce qui m'inquiète un peu. Oh, un chum egg juste ici. Incroyable. On les farm, on est en plein farming. Il n'y a pas de masque pour les chum egg. Il n'y a pas d'objectif prédéfini en fait. Sud VPN. Non, mais vous inquiétez pas, VPN. VPN a déjà énormément de partenaires. On va essayer d'être original. On va essayer de se vouloir un peu original, promis. Non, mais moi j'aimerais créer la surprise avec mon sponsor. Pourquoi pas être sponsorisé par Oncle Benz ou des chevilles Molly. Enfin voilà, il faut essayer de créer la surprise. Il faut être là. Le stream français n'est pas encore allé. Et j'en fais mon combat. Alors, quel est ce monsieur ou cette dame? Ah mais c'était un garde. Waouh. L'us-tu cru? Hey, bonne idée, en voilà une idée. Et je crois qu'en plus, il y a déjà des streamers qui sont sponsors par l'us-tu cru, je crois. À vérifier. Mais je crois qu'il y a déjà. En tout cas, je sais qu'il y a des streamers qui sont sponsorisés par des marques de nourriture à faire chauffer au micro-ondes. En mode la nourriture du gamer. Ouais, je crois, mais sans blague. Il y a Désastre, streamer Elder Scrolls français, qui me semble être déjà sponsorisé par une marque d'ingrédients à réchauffer, type l'us-tu cru. Et il me semble avoir déjà eu un part de l'us-tu cru à vérifier, mais il me semble. Alors, madame! Donc c'était Elisabeth. Souvenez-vous d'Elisabeth, en fait on la connaît cette dame, j'ai juste complètement oublié. C'est la première garde qu'on a vue dans la première ville. Ah non, la deuxième ville. Hé, hey, tu t'es décidé de me joindre? J'avais complètement oublié, sacré désastre. Excellent streamer. Il fait du bien à la commu française d'Elder Scrolls Online. On l'embrasse s'il nous regarde. Sûrement qu'il nous regarde, parce que forcément, contenu de qualité comme ça, mais on l'embrasse. L'accent du sud ou quoi? Putain, oh, putain, comme, pète un câble. On voulait pas trop la voir, Ah, par contre, on voulait voir la vue, ça c'est vrai, on peut dire ça, on voulait voir la vue. Tu as du goût? Ah oui, c'est vrai, je traduis ou je traduis pas? Attendez, on va pas traduire, d'accord? On va essayer de pas détruire la langue. You got a good taste then, I've got good news. Because even though I'm standing up there taking it all, there's still plenty of view left for you. Donc elle me raconte qu'il y a encore plein de choses à voir après cette vue. Je rigole un peu et elle me caresse le bras. Dis donc, Elisabeth, je suis encore un mineur, hein? I hope you didn't have any trouble with the climb. Non, on a pas eu de problème pour escalader, t'inquiète. Je lui dis que non, et je lui demande comment elle va. How you managed? Been keeping pretty spry all these years. Not to mention the views, all the motivation and all labor like me needs. Thank you though, the glider. You're a good one. Donc elle va bien. Elle est très contente d'être là. I'd like to give you this with my gratitude. Given our present location, it does seem a little on the nose perhaps, but... Ça y est, notre premier badge de garde. Yes! Si tu traduis pas, je suis dans la merde. Je parle pas la langue. Jean-Baptiste Shakespeare. Ah, ok, on va essayer. Avec un rapide acquiescement de la tête, je la salue. Elisabeth me donne du coup le badge du garde. Et je le flip over my hand, c'est-à-dire je le chope. Hein, et je le caresse de mon pouce. Across his face. Et je la remercie. Quelle relation nous avons avec Elisabeth, c'est incroyable, c'est beau. Parce que Lolo, c'est beau, là. Oh, t'inquiète pas, c'est juste un petit totem. Item, pardon. Token, c'est un peu comme un item, un peu un petit truc, quoi. Mais j'imagine que ça peut te faire réfléchir pendant ton gliding, hein, qui est ton parcours d'orientation, n'oublie pas. N'oublie pas de choisir comme il faut. La vie de gardien... est plutôt bonne. Très sensuelle, c'est un jeu pour adultes? Bah, je sais pas trop.
peux pas vous mentir, je sais pas trop. Mais là, elle m'a quand même caressé le bras. On est en 2021, les gars. Hein, il s'agirait de prendre ses positions. And if you ever fencing, give it a go. Ok, ok, donc si jamais, t'as jamais vraiment pensé à devenir garde dans ta vie, peut-être que ce badge peut te changer un peu l'esprit. Je m'imagine avec le masque de garde, et c'est bizarre, mais c'est pas absurde. Est-ce que ça serait vraiment bien? Prends soin de toi, mon ami. Ah, elle a quand même dit ami. Donc on a été friends on aide. Ce qui est dommage. Et peut-être que je te verrai encore le long, enfin pendant mes voyages. Thinking about visit the Wash, you know. Ok, donc on a une nouvelle adresse, the Wash. On ira voir the Wash. Tu peux pas être garde, tu as pris de flèches dans le. C'est vrai, c'est vrai. Et je peux vous dire que dans New World, j'en ai pris beaucoup des flèches dans le genou. Je la promise her. Ok, et je lui promets que je vais rester attentive. Ah. Et encore une dernière chose, si tu vas sur la route des gardes, je la regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Aim to be the one with the high ground. Essaye d'être celui qui a la plus haute vue. I got the high ground, Anakin! Si ton ennemi vient du bas, il a aucune chance. Voilà. On partage un au revoir chaleureux et je pars sur ma route. Excellente, excellente. Excellente interaction. Attendez, parce que je crois que mon eau est en train de bouillir et que je suis en train de péter ma maison. J'arrive tout de suite. On va y arriver, on va y arriver, on va la réparer cette dynamo, c'est moi qui vous le dis. Donc ici on a vu. On peut pas aller dans sa tente. Elisabeth, tu veux qu'on aille dans la tente, toi et moi? Que tu montres peut-être un autre badge? Ok, j'arrête ça tout de suite. C'est en quelle matière cette statue là? C'est magnifique, c'est sublime. C'est sublime. On va sauter par là. Ça passe. Ok. On va finir cette zone et après on essaiera de réparer la dynamo encore et encore. And again, and again. Oh, yeah, ça c'est 100 balles. Ça fait plaisir. On commence à être un peu plein aux as, c'est indécent. Ça commence à se voir, on dirait qu'on est un streamer là. On peut pas l'escalader, ça c'est trop haut. Attendez, je vais juste voir ce qu'il y a. Oh waouh, ok. Énorme. Sacré truc quand même. Je vous permets de regarder un peu partout. C'est sublime. C'est un très beau moment de jeu là. Très agréable. Alors ça rappelle les visages qu'on a dû voir au tout début. Je me permets de regarder un peu ce qui se cacherait, y'a rien. Oh, y'a un truc là. Y'a un coffre d'abord. Oh, Bouldering Trothers. Tight Foot Wrapping, ok. Ok. Mais attends, c'est un truc d'escaladeur, mais non. D'accord. Donc c'est pas un truc d'escaladeur, mais ça c'est un peu comme si. Très étrange ce vêtement. Oui. Je sens une suggestion dans mon esprit. When the sword grows, stand face to face.
quand les épées se croisent, reste face à face. Quand les épées se croisent, reste face à face. Oui. Ah là, ok, faut que j'aille au-dessus. Là, les épées se croisent, là, on est d'accord. Et du coup, est-ce que ça marche, là? Non. Faudrait que j'aille au-dessus, là. Reste face à face. On va essayer de rester face à face. Là, 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 là. Alors là, c'est les épées qui se croisent, non? Je suis face à face. Je glitch. Bon, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça, je crois. Ouais, ou c'est un X. En tout cas, il ne se passe rien. Et sinon, les épées, elles se croisent où? When the cross... Ah... Attendez, attendez, attendez. On va trouver. Il se passe quoi là-haut? Ça peut être un X en effet. Reste face à face. Bah ouais, je pense que ça peut être les épées de la statue, mais du coup, on va escalader par là. Parce que où est la... Les épées, elles se croisent pas vraiment. Wow! Oh, il y a un bumper là, vous avez vu? On l'utilisera pour le speedrun. Promis. Bon, là, je suis sur le casque. Ouais. Ok, ok. Donc là, il y a l'épée. Attends, du coup, faut essayer de faire un X avec les épées, peut-être. Ah, là, elles se croisent. Je suis face à face. C'est non. C'est clairement non. Non, 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 non. Je suis en train de tomber. Ah oui, je suis en train de tomber parce que je suis entre deux couches bizarres. Là, je fais un X. Non, c'est trop technique. C'était peut-être trop technique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que je peux escalader ça? Le fameux genou. Oh non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire bouger les statues? Oh, ça serait insane. Ça serait insane, mais du coup j'ai pas trouvé de... Faut pas que je m'arrête d'escalader, sinon je suis mort. On va essayer de voir là-haut. Non, 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 tombe pas, tombe pas, tombe pas. Sable, tu n'es pas efficace du tout là. Ok. On va passer par là plutôt, j'ai l'impression que... C'est un peu une supposition pour passer par là. Là où les épées se croisent, reste face à face. Là, on va se passer par là. Ah! Attendez. Est-ce que les épées, elles se croisent? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas ça la réponse. Ok. Est-ce que ça passe niveau vigueur? Ou ça va être tendu? Ouh, c'est limite. Ouah, c'était limite. C'était grave limite.
Ok. Par où je passe maintenant? En fait, j'ose pas trop faire des pas sur les côtés parce que je peux glisser à tout moment. On va plutôt escalader comme as. Ah oui, là je suis clairement bloqué. Pas là. Ok. Est-ce que peut-être qu'on peut rentrer dans la statue? Ouh là là, je vais tomber. Oh putain, c'était limite. Ok, là on est au niveau du cou. Est-ce que tu ne voilà, est-ce que tu l'as fois, est-ce que tu n'as chaud comme une autre, hein? Y a pas un chum? Non. Est-ce qu'il faut que je monte sur l'épée, vous pensez? Peut-être, hein. Peut-être. Ah, si j'ai pas un badge d'escalade pour ça, je comprends pas. Y a un oiseau sur l'épée, non? Ah non. Wow. Je glisse, hein. Je vais tomber 100%. Bon, c'est magnifique, mais ça m'aide pas et je suis tombé. On va se mettre là. Là, l'épée se croise pas là. Et sur l'autre épée? Et de la tour derrière toi, ouais, peut-être la tour. Ah, il y a un chum egg déjà. Mais tu vois, là, je suis un peu face à face, non? Là, je fais face, là. Ouais, mais peut-être qu'on va aller sur la tour au-dessus. Plus, il y a un chum egg, donc on va y aller tout de suite. Va prendre un peu de hauteur, sinon. C'est mort. Le chum egg, c'est bon. Est-ce que je peux croiser les épées? Non, je ne peux pas croiser les épées ici, ni faire bouger les statues. Mais où sont-ils? Je ne vois que des statues. Attendez, je vais chercher juste l'idée forme, histoire de. Pendant qu'il est encore temps de le mettre dans la dynamo. Je n'oublie pas ma commu. Bon, si un jour vous utilisez ça, c'est vraiment comme du chewing-gum, hein. C'est-à-dire, c'est si un bout collé quelque part, vous mettez un autre bout encore tendre dessus, ça fonctionne. Bon, là, il est extrêmement tendre, un peu comme le cœur de ma commu. J'en remets masse là-dedans. J'en mets masse en asti, là, en tabernacle, là. Je me propose aussi d'en mettre sur le teco. Et on pose tout ça, là. Faites que là, j'espère que ça va fonctionner, là. Là, je pousse la matière. Là, je sens que je suis en train de pousser en tabernacle la matière. Voilà. Bon, là, j'ai mis masse produit. Tous les matins, je roule avec le produit. Et bon, on va laisser sécher. Mais là, il y en a beaucoup. Dites-vous qu'il y en a beaucoup. Allez! L'énigme maintenant. Donc là, il ne se passe rien. On peut pas au niveau inférieur de la tour, on peut pas rentrer non plus. Là sont les fesses de la guerrière. Pas forcément très intéressant. Et là, il ne se passe rien non plus. Mais là, cette estrade, elle sert à quelque chose, non? Quand l'épée croise, quand les épées se croisent, reste face à face.
Elle a pas une idée, Elisabeth. Elle est plus blanche que moi, non? Ce sera la ligue du jour. Je sens qu'on va rester là longtemps. Oh non! Pas comme ça, Zinedine. Voilà, super. Quand les épées croient... Bon, la tour, c'est mort. Ici, il ne se passe rien. Quand on est sur les épées, il ne se passe rien. On a essayé de les croiser, mais on les a pas réussi. Reste... Ah, regardez, en fait, elle lui marche sur la main. Oh, quelle scène de violence. Ah non, elle lui marche pas sur la main. Si, un peu. Sur l'annulaire, en tout cas. Quand les épées croisent, reste face à face. Alors là, c'est chou blanc, là. Parce que là, ça croise, on est d'accord. Mais je suis pas face. Tu me diras, je suis pas vraiment face. Là... Là, je suis en face. Mais il ne se passe rien. Ça ne sert à rien. Il y a un coffre que j'ai pas fait là, par contre. Wow! Bah non! J'ai eu un... Il y a des glitches intéressants. Ah, mais j'étais pas venu ici. Intéressant. Eh oui, aucune idée. Oh! Là, c'est une teinture pour mon scooter. Pour mon scooter, les rails. Mais là, ça ne servira à rien de se mettre là. J'arrive pas à les croiser, là. Face à face, parce qu'en fait là-bas ça ne marche pas. Mais est-ce que sur moi j'ai pas des épées? Non, sur moi j'ai absolument rien de. J'ai absolument rien qui ressemble à des épées. Et en face y a rien. Si je me mets à la grille là. Là, en face. Non. Non, d'ailleurs, quelque chose de plus simple. Ah, y'a un chameg là, parfait. Avec un peu de chance, il va donner la solution. Ah, mais là, c'est très énigmatique, là, j'avoue. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut, là. Parce qu'après, il y a les éoliennes. Oui, mais ça servait pas à grand-chose, les éoliennes, si. Et les éoliennes qui font un peu un X. C'est pas une épée, ça. Peut-être que notre attention n'est pas au bon endroit. C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui peut être autre chose que les épées? Les oiseaux tournent, oui, je comprends. Y'a rien derrière là. Non, y'a rien derrière. Parce que là, je suis pas en face, là, je suis derrière, justement. C'est complexe. Ah, on peut passer là?
attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait un passage là. Okay. Calme-toi, Sable. Face to face. Là, on est face to face, là. Est-ce qu'il faut que j'enlève mon masque? Ah, on est obligé d'avoir un masque. Genre, on est obligé. Peut-être qu'il fallait enlever le masque, mais en fait, non. Alors là, je n'ai absolument aucune idée. Est-ce que genre, ça serait pas là et en fait ça serait dans une autre zone? Il faut revenir plus tard. Non mais là, il y a quand même deux épées là. C'est une question de point de vue. C'est-à-dire que si je suis face et que je vais Non mais elles se croisent pas là les épées. Je reste face. Bah ça c'est un X mais ça marche pas. Est-ce que Elisabeth a une idée? Putain, pour les faire croiser, c'est chaud. Hein. Mais ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On est complètement du père. Elisabeth! Ok. Clairement, elle a pas. Bon bah, je pense qu'on va devoir revenir. Bridge of the Betrayed. Ah, attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs Ah, c'est des chum eggs peut-être? Ah, peut-être. Je comprends pas trop. On voit trop ce que c'est ça. Pardon, je joue avec la carte, mais je crois que le truc est un peu cassé. Ouais, ça. Mais du coup, et si je me re-TP? Si je me re-TP sur place, il se passe quoi? Ça met en bas, d'accord. Nouvelle abonnée.
Raiko, merci infiniment. Yeah. Un grand merci pour la monnaie. Oh, vivement le suivant. Merci pour ce prime. Ne laissez pas dormir vos primes, c'est super gentil. Raiko, ça me touche beaucoup. Après tant d'absence. Merci pour votre confiance. Je pense qu'on va devoir partir d'ici. Et on va se garder sur un coin du crâne que le Bridge of the Betrayal, le pont du trahi, nous a fait défaut. Mais là, en vrai, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Je vois pas autre chose à faire. Être face à face, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Eh non, 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 non. Et même en bas, quoi. Reste face à face. En fait, c'est le reste face à face que je comprends pas, du coup, peut-être. Stand face to face. Genre, il faut que je sois devant un visage. Mais j'ai fait les visages, déjà. Ouais. Non, non, quelque chose me dit qu'on n'y est pas, là. On n'y est pas. Bon, on va bouger. On va revenir à notre forêt du début, là. À la Bathroom Connection. Want to become famous? Bye, follower and viewers. Hey! Notre spam depuis très longtemps. Eh ben, merci aux modérateurs, toujours en place. En plus, c'est con, il tombe sur le jour où il y a les deux modérateurs présents. Dommage, mec. Dommage. Permaban, merci infiniment pour votre sécurité. Heureusement que vous veillez. Quel timing. Heureusement que vous êtes là aujourd'hui. Oh, je l'avais pas vu, toi. À peine j'arrive, un chum egg. Incroyable. Un chum egg, pardon, c'est très difficile à dire. Donc là, on a bougé au vaisseau d'hier. Mais ouais, ouais. Ah, mais Raiko. Raiko, il shoot plus vite que son ombre. C'était déjà le cas dans les MMO. C'est un franc-tireur. Oui, mais écoute, on jugera pas, hein. Ça veut dire être très romantique aussi. Je ne suis pas précoce, je suis très amoureux, voilà. Et puis aucune honte. Bon, c'est juste beaucoup d'amour, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on confond tout, de toute façon. J'avais essayé de rentrer dans le vaisseau d'une autre façon, mais j'ai pas trouvé, là. En fait, ce jeu va être énormément... Ça va être que des énigmes inachevées. Ah, là, on va aller voir la ville là-bas. Allez, on va aller voir le cartographe là-bas. On arrête nos bêtises. Laisse-moi décharger ma dose de romantisme. Ah là là. Inachevé. Ah ouais. Quelque peu finalement. En fait, on est vraiment dans l'air du temps. Ce jeu sera inachevé. Mais c'est la mode en ce moment. Et là, c'est là où je vois que je joue trop à New World. J'ai l'impression que je peux couper ces arbres alors que pas tous les jeux le permettent. Attention. Bon, on va aller voir le cartographe. Qui va nous détruire, enfin, qui va nous découvrir un peu la zone là. Et ça va être bon. Waouh. Putain, parfois le vaisseau, il est en PLS. Ok, on y va. Donc si on réfléchit bien, on a encore... Il y a deux choses qu'on doit faire et qu'on n'a pas réussi. À part réparer la dynamo, bien sûr. C'est le pont des trahis. Ça va pas marcher. Sérieusement, j'ai fait tout ça pour rien. Ma vie pulsex. On embrasse Mister MV qui chaque jour nous inspire. Un peu trop d'ailleurs, peut-être. Peut-être. Là, ça passe. Là, ça passe. Par contre, on a changé de musique et ça, c'est cool. Ça passera pas.
passera pas, donc comment je monte en fait? On fait comment nous en fait? Je pense que le jeu se rend pas compte que j'ai un stream à animer. Ah. Ok, d'accord. D'accord. Ok, ça c'est bon. Into. Là, je parle à nos amis programmeurs un peu. Into. Cette montagne. Point X. Into. Ici. Oui, je sais, je... C'est un peu technique ce que je dis, mais je pense que vous allez comprendre. Oh, il y a une ville là, en fait. D'accord. Ok. Nouvelle ville. C'est quoi ça? C'est un colibri? On peut le choper si on tombe dessus? Paf! Ah non. Yep. Il y a plein de colibris. Oh, c'est beau. Et une nouvelle énigme. Yes, I... let's go. Ok. J'espère que celle-là, on va pouvoir la résoudre. Ça serait bien. J'attends encore pour la dynamo. Hein. J'attends encore un peu. Je me permets d'attendre. Ok. Alors là, il y a trois petits... petites stèles. Et ça, c'est la statue des maîtres scarabées, là. Ce qui fait qu'il va justement falloir que je fasse un truc avec les petits colibris. Donc, peut-être que je les chope. Salut, mec. Ah ah, je t'ai bloqué, mais je peux rien faire avec toi. Je peux pas interagir, super. Ah, par contre, je peux parler au papillon. Ah non, je peux juste le choper. Ok. Bon, bah ça c'est clair. Là, c'est une porte qu'on peut pas ouvrir. Là, on peut monter. Très bien, tout va bien. Bon, du coup, faut qu'on trouve 3 demi-lunes. Et on va essayer de les trouver. Hein. Oh, l'oiseau. Waouh. Il est parti l'oiseau. Ok. Là tout de suite il ne se passe rien. Pareil. On pourra monter là-haut sans souci grâce à ce point. Il y a un chum egg là-bas. On y va très vite parce qu'en fait je pense que la vigueur est super importante dans ce jeu. Donc on va aller la choper très vite. Il nous en faut 40 des chum eggs et on sera bon après. On aura encore plus de vigueur. Ma stamina. Stamina. Mais elle est immense cette ville. 100% j'ai loupé quelque chose. Je le sens gros comme une mésargue. Là y'a pas de coffre, non? Ok. Et là, il y a un chapeau. Let's go! Bah ça, au moins, on y arrive, hein, putain. On va rien dans le jeu, mais au moins ça. Ok. Oh! Il y a eu le truc bleu là-bas. Il y a des flammes. Il y a tellement de choses. Attendez, mais il y a le truc bleu, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de l'eau. Waouh. Voilà. Oh. Ah d'accord. Bon, je pense que j'ai trouvé du coup les demi-lunes. Parfait. Nice. Oh, le soleil qui se lève là dans l'arche. Magnifique. Ah, par contre, faut que je trouve un moyen de passer.
niveau d'énigme pour l'instant. Pour l'instant, c'est mon niveau. Mais ferme-la, Simon, pour faire de la merde comme ça, là, là, le karma. Chien. Ouais, je pense que je vais me remettre à la Dibou parce que clairement. J'ai des skills sur aucun jeu quand même. C'est quand même terrible. Ok, ok, ok. C'est bon, it's ok. Donc je peux interagir. Oh la musique! Et de 1. Cassez-vous les piafs! Leaf Butterfly. D'accord. Bon bah on y va. L'argent. Là y'a rien. Oh. Ah d'accord, on ne peut rien faire. Mais c'est joli. Ok, ok. J'aime beaucoup l'OST là. Elle est magnifique la musique. Réalisé par Japanese Breakfast, on le rappelle. Wow. Mais c'est très cosy. Un saut. Yes. Par contre, moi, ce genre de labyrinthe, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On passe à 700. C'est un pot de chambre. Ah, dégueulasse, j'ai touché en plus. C'est dégueulasse. Merci de me prévenir. On peut pas ouvrir la porte, c'est ça? D'accord. Intéressant. Intéressant. Barrez-vous les piafs. Y a pas d'humain ni de personne, mais vraiment y'en a des dodos ici. Hop là. Y'a un chum egg tout là-haut. Bon bah on sait où est-ce qu'on ira planer une fois qu'on aura fini. On a notre point d'atterrissage. Là ça passe également. Et là on reprend l'escalier. En fait l'architecte il avait pas vraiment fini son taf hein. Mais bon. Pas court. C'est la pire idée. Je sens que je vais tomber. C'est utile. Cartographer's Balloon. Ça va tomber, vous me connaissez. Ça va tomber, c'est beaucoup trop technique pour moi. Oui. Franchement, il faudra aussi un badge d'escalade pour ça. Hein. Ah! Y'a pas un scarabée là? Non? Salut mec! Ou madame! Hey, hoi! Ah, tu sais, c'est un. Ah bon, un nombre surprenant de personnes vient se montrer ici. Ah ouais, donc j'ai aucun niveau en fait d'escalade. Ah, c'est un gilet jaune. La lutte continue. Entre toi et moi, je pense qu'ils veulent juste se sentir grands. Je décide immédiatement qu'il n'a pas besoin de savoir quelles sont les raisons de ma venue ici. Est-ce que je peux acheter une map? Oui. Alors on vient d'acheter le troisième badge de cartographeur, donc on pourrait devenir cartographeur, je crois, maintenant. C'est le speed game. C'est le speedrun. C'est le speedrun.
Hope that was it for. Goodbye. Attends, c'est quoi les points d'intérêt dans la zone? Donc il y a la City of Ekria qui est pas très loin. Il y a Five Bells Camp, donc le camp des 5 cloches, d'accord. Il y a bien sûr la forêt de palmiers, allez voir. Si tu aimes les mystères. Et il y a une ruine de vaisseau qui n'a pas été tuée depuis des années. Et en parlant de ruine de vaisseau, il y a la baleine. Ah. Ok, c'est bon, merci. Merci. Ça doit être la fameuse baleine dont il parle, ou la cité peut-être. Oh, c'est quoi ce gros machin? Ok, il y a beaucoup de choses. On peut enlever les points d'intérêt là? Il veut pas les retirer. Oh! Oh! Ah, non. Ah voilà, ça y est, ça les a enlevés. Super. Super. Nice. Bon, ça c'est fait. Le Chum Hang, c'est parti. Il faut qu'on trouve les deux scarabées. Wow! Ça tire à balle réelle du côté de Flak de Falcat. Elle était en effet extrêmement aisée. Mais bon, parfois c'est toujours ce qui est le plus efficace. À tous les coups, il y avait un truc de lune en haut. Pourquoi il y a une volonté de me nuire ici, hein? Qu'est-ce que j'ai fait à ma commu? Non, je ne vous crois pas, monsieur Raikou. Je suis désolé, ceci est calomnie. Non, mais pas là-haut. Ah, parce qu'après, il faudrait le jeter, genre. Ouais. Je décide d'aller voir ailleurs, pour l'instant. On reviendra peut-être. Faut aller voir en dessous déjà. Bon bah super, je vois qu'on est tous dans le même camp, super. Sartek l'ambiance. Bon déjà je vais là. Et après j'y remonte. D'accord? Oh, regardez, là y'en a un là. Oh, c'est quoi ça? Yes! On a ouvert la porte. Ça, c'est une énigme à mon niveau. De l'argent! Mais du coup, ouais, on a vraiment les trois badges du... Ouais, on a les trois badges de cartographe si on veut. Voilà. Si on veut, on peut être cartographe. Mais je sais pas si c'est vraiment une bonne situation. Ah oui, au son, je pensais qu'elle s'était fermée. Là, j'aurais peut-être fait un Alt F4, histoire de juste de voir si le jeu... pouvait bien aller se faire foutre. Ah! Oh non, je rigole. Calmons-nous. Mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que vous avez raison pour le troisième scarabée. Oh! Bah merde, il y a un bug d'affichage. Il y est ou il y est pas? Ah ouais? D'accord. Bon bah, on va considérer qu'il est là, hein. Bon attendez, là-bas on a fait. Donc c'est sûr que vous aviez raison en fait. Je vois, je pense qu'il y a un effet surtout des rencontres. Falcat qui a la ref, c'est formidable. Quelle belle commu. Il méritait vraiment que la dynamo soit réparée, hein. Vraiment. Je m'y engage.
Ah, ça y est, il est apparu le scarabée. Il y avait un petit bug. Ah bah, il est là. Incroyable. Tout va bien en fait. Je peux pas dire, mais. Ah, les belles années, oui. Les belles années de Canal. À l'époque où la télé. Eh ben, c'était encore de la télé. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. On dénonce sur ce live, on dénonce. On n'a pas peur de le dire. Let's go. Monumental Stone Top. Une pièce d'artisanat incroyable. Du rituel d'habillement. La traduction est terrible, pardon. C'est un habit extrêmement bizarre. Mais très difficile. On peut pas vraiment ne pas le regarder. Ah, je le mets tout de suite. Moi, dès qu'il y a des LED dessus, je mets. Voilà. Ah ouais, ça s'allume. Ah, je suis refait. Donc là, cette zone-là, c'est fait. Bon, bah on va aller voir ça. Je suis bien chaud. Et puis en diamo, il est 10h30. On regardera la dynamo en fin de live, d'accord? Ça vous va, les enfants? Attendez, parce que du coup, comme j'ai des repères partout maintenant dans ce jeu... D'ailleurs, en fait, non, j'ai pas de repères partout. Pourquoi il me dit que j'en ai plein? Je les ai enlevés, mes repères. Bon, le jeu est un peu buggé, hein. Je veux pas dire, mais... Hey! Salut, Eranos! On a parlé de la réparation de la dynamo, et du coup, il se montre. Je comprends. En espérant que ça fonctionne. En tout cas, merci à tous d'être là, c'est très apprécié. Avec cette petite musique, on est ensemble. Simon, ramène-toi. Bon, en fait, c'est pas si beau que ça, le haut que j'en avais gagné, en fait. C'est mardi. La ville. C'est parti. Si vous voyez un Chem Hug, vous criez Chem Hug dans le chat, bien sûr, on peut compter sur vous. Ne m'abandonnez pas, hein. Ah, mais je crois que c'est la ville des Kriya. Par contre, c'est quoi ce tuyau là? Incroyable. Ok. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Falcat soulève le point crucial. Aucune interaction n'est possible en fait. On va vous écrire en capital dans le chat, ça fera comme, hein. Il y en a qui se gênent pas de façon. Alors, Ekria. Bah c'est pas très accueillant tout ça là. Eh oh. Là c'est de l'eau. Oh, on peut nager. Donc c'est mieux développé que New World. Ah, intéressant. Hein. Intéressant. C'est team premier degré. Bah non, on peut pas crier, hein, monsieur. Hein. Ça marchera pas, monsieur. Hein. Alors, là, il y a clairement un puzzle jump. Non. Waouh. Alors, waouh. Waouh. Eranos, t'es à ça du ban. T'es sur une pente glissante, Eranos, et attention. Certains y sont allés et sont jamais revenus, si tu vois ce que je veux dire. Waouh! Oh les gars, oh, on arrête de bâcher New World, d'accord? C'est un jeu qui a des défauts, qui est dur,
qui est dur à apprécier. Mais j'avoue que... Hey, salut. On va le parler. J'avoue que même si les modos... Waouh, ok, super. Super l'ambiance, super. Eranos y débarque, il nous fait passer pour la Chine. Génial. Mais bon, il faut dire que la connaissance du vrai est terrifiante lorsque la vérité n'est d'aucun secours. Hein? Ça va, mec? Ça, c'est moi, là, qui essaye de jouer à New World. Tout va bien. Le jeu marche très très bien, merci. Non, mais c'est un amour passionnel. Très content. Face à tant de falaises. Arrêtez de nous raconter des falaises. Non, mais vous inquiétez pas. Je vous ai compris. Ça, c'est Rita. C'est la propriétaire du Hoverhand Café. Et elle me dit au revoir. Ok, super l'ambiance. Super l'ambiance. On peut donc pas boire de café. Génial. On est un paria. Et il y a les poules. Salut les poules. Mais attends, mais c'est immense comme ville. Bah, Lost Ark, c'est un vrai bon jeu, oui. Mais en même temps, Lost Ark, il a 4 ans de développement de plus que New World. Attention à ce genre de petit... Attention. D'ailleurs, en plus, je crois que... Et vous me dites si je me trompe, mais il me semble que Lost Ark avait été développé par un studio complètement indé, enfin, un studio qui se valait à lui-même, et qu'Amazon a racheté le droit et le développement pendant son développement, justement. Et qu'après, ils ont mis le label Amazon Games. Mais je pense qu'à la toute base, Lost Ark n'est pas un jeu Amazon, il me semble. Vous me dites si je me trompe, mais à la... au lance... Voilà, ils éditent, pardon. Oui, merci pour la correction, c'est vrai. Mais voilà, au début... Voilà, on est d'accord. C'est donc un éditeur. Mais ils se sont mis qu'après le développement du... Dieu nous en préserve, j'avoue. Bon, on sait pas. Mais ils se sont mis qu'après 1 an ou 2 ans de développement du projet Lost Ark, il me semble. Nous parlons à Ekrin Carlo qui nous dit « J'aime vraiment bien quand le pouvoir est éteint. Il y a un sens de paix. » Ah, c'est un mec qui prône la décroissance, donc super. Super ambiance. Un écologie. Non, ça va, on déconne. Oh, il y a des tags. Ils sont où les... Cinématiques. Avec des gens vénères. Oulala, c'est quoi cette ambiance? Salut. Le garde se met devant moi. Je ne sais pas dire s'il pense que j'ai commis une transgression. Wesh alors ! Pardon. Ça va Nitram ? Bienvenue. Tout le monde est là aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir les gars. En fait, vous venez tous voir si la dynamo a été réparée. La réponse en fin de live, mes amis. Wesh alors ! Bon, apparemment, il y a un grand malaise. Là, j'arrive dans une ville où il y a un malaise. Bonjour ? Mais non, pas encore. Ça, c'était la première. C'était la V1. S'il vous plaît, attention à ne pas transgresser la réponse dans le clip. Et calmez-vous, vous êtes dissidents aujourd'hui. Alors, Eranos et Nitram. Nous avons fait une réparation, mais on attend en fait que le plastique qui a été installé soit plus rigide. Pour l'instant, il l'est pas tout à fait, d'accord. Donc, s'il vous plaît, un peu de patience. La première fois, on l'a testé un peu trop vite. Un peu de patience, messieurs dames, s'il vous plaît. Je pense qu'on était un peu trop excité à l'idée. Même si là, j'ai bien envie de le tourner pour voir, mais ah, je peux pas, je crée la tension, c'est. On va attendre encore un peu. J'en ai fini d'attendre. Vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir, je pense que vous voulez voir. Bon, le jeu, on n'a pas vraiment respecté le jeu, mais... La réponse tout de suite.
Mesdames et messieurs! Oui, j'ai retiré les squats, et alors? Devant toute la communauté, les dynamos! Une dynamos autrefois cassée est-elle réparée? Peut-elle de nouveau donner la lumière au chat? Peut-elle de nouveau éclairer cette communauté? La réponse tout de suite. 3 2 1 Dynamo. Ça marche. Ça casse pas Léa. C'est compliqué. C'est dur aujourd'hui. C'est une sale journée. C'est une sale journée. Il faut laisser la patte durcir. Ah oui, 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 il n'y a pas que la pâte qui a durci là. Bon. De toute évidence, la réparation n'a pas prise. C'est pas forcément une très bonne pub pour le produit par contre. Monsieur Bricol. Ah là là, la haine. La haine, la haine. Bon, messieurs, dames, je pense qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. Je pense qu'il nous faut une nouvelle dynamo. Plus grande, plus forte. Aussi naît notre rêve de la dynamose à pédale. À pédale de vélo. Peut-être que c'est le moment. Peut-être que c'est un signe. Je ne saurais vous dire. Ça nous a donné un bon petit clip en tout cas. La pâte avec la colle super forte. Ben peut-être. Peut-être. Mais en plus c'est... Parce que vous voyez, là elle tient là. Et c'est la rotation qu'elle n'aime pas. C'est le mouvement de rotation, ça fait un pivot. Va falloir que j'appelle des experts ingénieurs du domaine en tout cas. Ou alors une nouvelle dynamo. Peut-être. C'est la faute de New World. Une spirale de l'échec. Non, calmez-vous. Écoutez, New World n'y est pour rien. On a clairement sous-estimé le problème. Je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Méditez là-dessus, mes amis. On peut jouer, s'il vous plaît. On est en train de faire un live, s'il vous plaît. On est là pour le gaming, merci. Donc le garde essaye de m'embriquer dans quelque chose. On va t'utiliser pour quelque chose. Mais comment? Eh bah tu es un glisseur, n'est-ce pas? Tu as la nature d'un outsider. Alors tu appartiens à rien et à personne. Génial. Super l'esprit, nice. Et du coup, tu es capable d'avoir un esprit extrêmement objectif. Génial. Je me demande si je devrais... partager ma myriade d'opinions populaires et non populaires, et je décide de l'épargner. On dirait qu'il a beaucoup de choses à dire. Mon nom est Sandeep et je suis au milieu d'une enquête, mais elle est vraiment très très sérieuse cette enquête. Il y a peu de personnes à qui je peux faire confiance,
Tu as sûrement remarqué, mais on est sans courant ici. C'est vrai que j'ai remarqué. La lumière était rouge. C'est pas un accident. Quelqu'un a volé le power core à notre cœur atomique. Et ce coupable n'est pas encore reconnu. Je pense que peut-être tu peux m'aider à résoudre ce crime et amener le voleur à la justice. Et on revient à... De ouf ! Mais finalement, tout est lié ! On est sans courant maintenant, on fait comment ? C'est méta comme live aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est dans une dynamoception. Mais la déception est bien réelle. Je vais aider. J'ai déjà commencé à regarder un peu les ombres, d'accord ? Tracking the elusive power thief. Ok. I am sweetness and smoke. Il va donner un broken atomic power core. Ceci, c'est un vieux power core. Il est un peu rouillé. C'est vraiment une ordure. Allez pour le lol. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je sais pas si vous avez mon écran. Attendez. Est-ce que vous avez... Ah oui, vous avez mon écran là. Quand je fais ça. Ah, attendez. Ah, voilà. Eranos hein, qui nous propose une dynamo intéressante. Lampe torche clignotante à 3 LED. Ça m'a l'air parfait ça. Hein. Est-ce qu'elle a une manivelle? C'est la Lamborghini de la dynamo, j'avoue. Oh, regardez-moi ça là. Putain les gars, 10 LED les gars. Ah non, c'est un kit complet. T'as une lanterne 10 LED et un signal d'urgence rouge clignotant et une lampe torche. Incroyable. Ah oui, la manivelle est en haut. Ah, génial. Génial. Bah écoutez, je pense que je sais quoi m'offrir à Noël. Oui. On pourra la mettre en couleur rouge pour les moments un peu intenses de gaming. Et elle est même en rechargeable en USB. Formidable. Oh là là, mais là les gars, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Hein. Regardez, c'est nous ça. Justement, il n'y a pas de manivelle, on sait comment ça se finira. Ah si, il y a une manivelle. Bon, après, il y a la prise USB. Ouais, USB, c'est triché. USB, c'est triché. C'est notre nouvelle phrase. Non, mais je suis d'accord. Il faut rester dans la tradition. Non, mais là, la manivelle en haut, c'est un peu plus costaud, non? Aucune idée. Attendez, mais c'est quoi cette grosse manivelle sur le côté, là? Oh! Vous avez vu, là? Attendez, vous voyez pas, il y a ma tête devant. Attendez. Attendez! Regardez-moi cette manivelle là! On dirait autre chose qu'une manivelle d'ailleurs. Je me permets de dire. Ah, on dirait autre chose. Dis donc, Falcat. Ah, c'est une poignée, c'est pas une manivelle? Ah, je suis déçu. Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai. Regarde comme il est bien là. C'est une poignée, autant pour moi! Autant pour moi. Bon. Excellente idée, Falcat, je la mets dans mes favoris. Ajouter aux favoris. Parfait. Nickel. Exactement, une poignée pour éviter les chutes. C'est vrai. Plus de sécurité, c'est important pour l'avenir de cette communauté. Merci pour le lien en tout cas, Falcat. Je pense que j'ai trouvé mon cadeau de Noël et je suis très content. Je pense que vous l'avez mérité. Je pense, sincèrement. Alors, I want you to ask if... Ok, me demande si je peux pas découvrir le coupable. On va essayer. Bah oui, faut toujours qu'il enquête dans le silence. Get it. T'as tout compris. I've seen I made the right choice. Ok, donc on enquête, clairement. Alors, c'est la Hesse parce qu'il n'y a plus de courant. On va commencer à parler aux personnes. Elle s'appelle Ekrin Crowd. Ah non, c'est juste la foule. C'est pas son nom, pardon.
Mais qui a fait ça? Est-ce que vous avez déjà trouvé qui était le coupable? On est attaqué! Ok, donc elle est paniquée, elle a trop regardé BFM. Inutile, complètement inutile. Comment on peut se finir dans cette position où tout est relié au courant? Bah oui, mais ça c'est le problème, madame. Vous devez faire quelque chose. Le courant a été arrêté depuis des jours maintenant. Quand est-ce qu'on va retrouver de l'eau? Ah mais sans détresse, pas d'eau. Ah oui, c'est la S. S'il vous plaît, restez calme, on est en train de faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est dans notre pouvoir. D'accord. Ok. Donc. Ah, un peu de calme, parce que ça commence à être le brouhaha. Salut. T'as besoin de quelque chose de... T'as besoin de quelque chose de rapide? De fiable? Ou les deux en même temps? On a plein de sortes de motos ici. Ah ouais, clairement. Let's go. Waouh! Ah oui, d'accord. Ah, ça déconne zéro. Biker top. Yeah. On peut avoir le style de biker. 65 balles. Franchement, pourquoi pas. J'ai bien aussi envie d'acheter tout ça, là. Giraffe bike. Il est rigolo, celui-là. On a envie d'acheter le grand. On n'aura pas l'argent pour tout acheter, par contre. Oh, il est super cher. Il est à 900 balles. Oh là 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 là. La girafe est pas chère, pour le coup. Alors, c'est quoi les stats? Le long cou a juste le contrepoids. D'accord. It can fit a little unwieldy. Ok. D'accord. An engine designed for pulling across long distance. Bon, en gros, celui-là, c'est la stabilité. Et celui-là, c'est quoi? I provide fantastic aerodynamics, a small fun solo. Ah, et celui-là, c'est la rapidité, c'est le truc des kékés. Ah ouais, mais j'ai bien envie d'acheter tout ça, mais j'ai pas la thune. Je pensais que j'étais pété thune, mais en fait, j'ai zéro. Et ça, c'est quoi? Gray across the type of terrain. Ok, donc ça, c'est un peu le VTT. Mais en fait, tout ça, c'est cool, mais... Moi, à la base, je voulais juste trouver un établi pour réparer mon... pour mettre mes pièces, justement. Ouais. Bon, on trouvera ça plus tard, j'imagine. D'accord. Oh non, what I'm going to do? Oula, la caméra. Calme-toi, la caméra. Ça va, la caméra? Bon. Il n'y a plus d'électricité dans cette ville. Les marchands ont commencé à augmenter leur prix. On peut pas... Je peux plus m'offrir du thé. Eh, mais c'est Prince of Persia, le prince de Perse. C'est Skinyo qui balance les rêves. C'est vrai qu'il y a un petit style Prince of Persia PlayStation 2. Le fameux roi de Perse, notamment. Siskinho, j'espère que tu vas bien. Tu as loupé un moment un peu de folie dans ce live. On a cru que la dynamo était réparée, mais finalement non. Mais on va revenir plus fort, plus grand. Olivier Mine. Bon, en fait, pour l'instant, personne ne me donne la réponse de l'énigme. Ah, oh, il est stylé, lui. Wow, wow. Ah ouais, mais je veux ça, moi. Il y a de l'électricité, hein. Prince, stop. T'as dit roi. Pardon. Excuse-moi, Siskinho, excuse-moi. Je suis bien désolé, là. C'est ça, mec. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts, tu connais, t'as capté. Bon, moi, il faut que je trouve le coupable. Peut-être que le coupable est un Perse. Ah, mais y'a un mec en tôle. Bah alors. Et là, tout de suite, il ne se passe rien. D'accord. Ok, on enchaîne. 10h50. Attendez, hop là. Oui. En fait, je pense qu'il faut qu'on prenne de la hauteur. Parce qu'il y a un jump egg là-haut. C'est certainement un père, sire. Forcé, c'est forcé. Attention, pas d'amalgame, s'il vous plaît, pas d'amalgame dans ce live. On est en 2021.
Je sais que même si en ce moment hein, les esprits s'échauffent, en ces périodes d'élection et de tensions politiques, calmons-nous s'il vous plaît. Ah merde, je pensais qu'il y avait ben une texture en fait les gars, développez votre jeu jusqu'au bout, merde. Alors, du coup, on va prendre là, on va partir de là. Ça part de là. Et un nouveau champagne, un autre. Et là on est yamble, voilà. On a toujours pas trouvé qui a coupé le courant, mais au moins on a notre jump egg. Je continue à regarder un peu. On va rentrer dans la ville. Oh, il y a une cloche. Génial. Génial la cloche. Donc là, c'est là où il y a le bordel. D'accord. Hey. On va pas te parler. D'accord. Ah, il y a un truc là-bas. Dis donc, toi, t'as l'air bien suspect. Bah alors. Bah. C'est quoi ça? Tu serais pas perse par hasard? Bah non mais c'est bizarre. T'es ultra suspect mec. T'es ultra suspect. Encore une personne. Mais qui êtes-vous? Mais en fait vous êtes des personnes bizarres. D'accord. Ah, c'est quoi ça? Mais elles sont trop cool leurs motos qui font des éclairs. Oui, je suis un Kekos. Oui, je l'assume. J'aime les éclairs sur ma moto. J'entends le garde murmurer à propos de la Pomegranate. Yo, Pinzus, comment tu vas? Ah, ça fait plaisir de voir autant de monde aujourd'hui. Installez-vous. J'espère que tu vas bien, Pinzus. Quand il remarque que j'arrive, il change. Dites-moi, vous avez des arguments du côté obscur, là? Tranquille, tranquille, et vous? Ouais, tranquille, tranquille. Mais oui, j'avoue que... J'avoue. On est un peu côté obscur, mais c'est de la vanne, hein. C'est de la vanne, vous savez ça. You said something about Pomegranate. Le garde semble un peu surpris. Oui, je viens juste de travailler, d'en essayer un. C'est quoi le programme Anat, vous savez? Non, on sait pas. Ils les vendent au sérail, hors de la ville. Ils sont incroyables, ils sont magiques. Chaque graine est a burst of watery coolness. Intéressant. C'est du water cooling, c'est ça pour les ordinateurs? Je connais un peu. Ouais, ça va bien, Pinzus. On a cassé la dynamo, réparé la dynamo, puis en fait recassé la dynamo, puis trouvé une nouvelle dynamo. Voilà. Ensuite, on a fait des blagues un peu border, du coup, là, on a peur d'être ban, mais on va s'en sortir, parce que la communauté est plus forte que ça. Et là, dans le jeu, on est en train d'essayer de résoudre une énigme, parce que quelqu'un a coupé le courant d'une ville et on doit se trouver le coupable, voilà. Et oui, la pauvre Dynamo. Mais grâce à Falcat, on a trouvé sa remplaçante. Mais le dites pas trop fort, elle risque d'entendre. You say something about Pregnant? Yes, on vient de lire ça, d'accord. Ok. Donc finalement, pas d'infos vraiment. Pas d'infos. De l'argent. Ouais, il y a eu un bashing sur New World qui n'a pas forcément été accepté par l'ensemble de la communauté. Le problème c'est ça, c'est que les personnes qui sont en mesure de ban... sont les principaux basheurs de New World, ce qui m'emmerde un peu. J'ai les mains liées. En gros, j'ai les mains liées. Hamza. Ah, on va peut-être enfin pouvoir customiser notre moto. Oui. I have a delivery for you. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on lui donne quelque chose.
Et si on accepte... Non, pas tous. Pas tous, Falcat, pas tous. Attention à ça. Tiens. Yes. And I'm a little annoyed. What? Le jeu est un peu vide là. Ah, oh, s'il vous plaît. Vous allez m'obliger à faire un live sur New World. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Je ne suis pas sûr. Croyez-moi, je ne suis pas sûr. En ce moment, je ne fais que pêcher sur New World. Mais c'est normal, je veux être 200 en pêche. Ah! Moi, j'ai des objectifs dans la vie. Non, mais il n'est pas si vite que ça. Et franchement, prends ses valises. Non, mais franchement, il est en train d'aller vers la bonne direction. Et ça, c'est agréable. Mais en vrai, je comprends qu'il suscite quelques critiques. Je comprends. Je sais pas du tout ce que je fais là. Oui. Ah, j'ai quelques questions à propos de la coupure de courant. Il faut que j'enquête quand même. On s'en fait pas. C'est vrai que peut-être que Lost Ark me fera un peu dériver. Mec, si tu veux devenir un top pêcheur, va sur Dofus, au moins là, ça sera rentable. Mais c'est rentable sur New World, je vous assure. Je vends mon poisson comme un dieu là. Je me suis fait 13 000 balles. On peut aller dans la bonne direction en marchant à l'envers, c'est vrai. Hey, c'est une belle remarque d'Eranos. C'est une belle remarque. Merci Eranos pour cette philosophie. Alors, qu'est-ce que je veux poser comme question? Est-ce que vous avez une idée de qui aurait bien pu enlever le cœur? Et où est-ce que vous étiez quand la courant s'est arrêtée? Il est pas vide, il est nouveau. Bon, certes, le PVE au minimum, le leveling est trop rapide. Oui, ce sont des vrais problèmes. Sincèrement, n'étant pas un joueur PVP de base, le PVP dans le New World est extraordinaire. Et en ce moment, en plus, il y a pas mal d'affrontements un peu en mode PVP sauvage, puisque le serveur étant un peu plus vide, c'est vraiment un peu un 1v1 qui arrive de nulle part, et c'est assez drôle parce qu'il faut réagir vite. Mais c'est très agréable, vraiment très très agréable. Je vous dis ça parce que pour l'instant, je suis à 100% de win sur mes duels 1v1. Ça va pas durer longtemps, parce qu'ensuite les joueurs vont devenir plus forts. Parce que moi, je suis en train de pêcher, donc forcément, je vais pas trop me upgrade. Mais sincèrement, c'est un vrai plaisir. Et le PVE est dommage, parce que le PVE est qualitatif, mais il est vraiment pas assez développé. Mais en même temps, il a encore eu moins de temps de développement, le PVE, puisqu'il a été mis en place après la alpha. Donc du coup... c'est prometteur, mais c'est vrai que pour l'instant c'est insuffisant. En fait, je pense que New World est prometteur, mais insuffisant. Voilà. Ce serait ça un peu la conclusion que je dirais à ce jeu. Mais en attendant, j'y continue de jouer. Voilà. Mais Lost Ark me fait envie. Et surtout, jouer avec vous sur Lost Ark, ça pourrait être vraiment cool. Parce que comme disait l'autre jour Nitram, c'est vrai que la dernière fois on a joué qu'à Knockout City ensemble. C'est dommage. Faisons plus de choses, faisons plus d'activités. Est-ce qu'on continue le jeu? Oui, on va continuer un peu le jeu quand même. Il est 11h, on va bientôt arrêter d'ailleurs. Est-ce que tu as une idée de qui aurait pu couper le courant, ma sœur? Ah non, c'est un homme. Il croise ses bras et me regarde de haut en bas. Le courant ici, c'est un peu notre artère fémorale en tant que mécano. Notre travail... évoluer le passé et sécurise le futur. Et le courant aide les machines. Et les machines sont un lien avec les gens. Ouais. Je dis oui à ça. Ouais. Si tu veux enlever le pouvoir des gens, le courant du coup, hein, et bah tu aimerais... C'est que tu as envie de prendre les gens sans puissance, impuissants donc. Tu as fait suite aux critiques des alpha testeurs. Ils ont mis le PVE, mais du coup, ils n'ont pas eu de temps pour le développer. Exactement. Les alpha testeurs ont trouvé le jeu beaucoup trop punitif et trop PVP. Du coup, ils ont créé du PVE qui est, moi, je trouve pas mal, vraiment. Mais par contre, pas assez riche. Mais ça arrive. Ça arrive. Soyons patients. Il a l'air triste. Donc, je pense que tu dois chercher pour quelqu'un qui a... Cares little for the common person. Ok, quelqu'un qui est assez égoïste, entendu. Bah non, mais c'est bon. Bah c'est bon. Et bah il m'a déjà dit en fait, il m'a déjà répondu à ça. Si je devais dire quelque chose... Iria, la marchande. Oh ! Ah bah oui, mais Iria, elle a monté ses prix grâce à la...
Ah oui! Iriel, un marchand, il a monté ses prix. C'est sûr que c'est lui. Oui, d'accord. Iria et son Ilk Run This Town. Mais c'est pas la marchande de café de l'autre jour, là, qui nous a mis un gros deny quand on est arrivé? Maintenant, j'imagine que... D'accord. Et Iria, ok, donc elle monte ses prix et c'est vraiment pas une coïncidence. Ok, bah je vais aller voir. Above the Beetle Market. Let's go! J'ai un suspect. Non, c'est bon, j'ai tout. On va pas partir? Ok, I'm done here. Non! Ah, customized bag, c'est bon, je peux ça. Let's go! Ah! Ah, mais j'ai aucune pièce, merde! Ah, si! Je choisis mes couleurs. Yes, let's go! Non, c'est bon. Bye. On va voir du coup ce que ça donne ou pas. Ah, en fait, c'est juste une teinture. Ah. Je crois qu'on a complètement foiré. Mais oui, les motos, elles sont moins stylées, là. Non, mais on reviendra plus fort. Bon, mes amis, on a un suspect. Et on va continuer cette enquête au prochain live. Sûrement lundi, du coup. Je vais vous faire des vrais bisous. On se retrouve tout de suite, mes amis. C'est parti. Un live exceptionnel. Pardon, je crie, mais je suis en plein d'émotions. Ça ne veut rien dire, mais tant pis, vous aurez compris l'idée. Quel live. Beaucoup de clips, beaucoup de déceptions, beaucoup d'ascenseurs émotionnels, là. Mais merci infiniment d'avoir été aussi nombreux. Tout le monde est passé, ça m'a fait plaisir de vous voir. On parle les mêmes mots, on joue un jeu indé dont on s'en bat un peu les couilles quand on fait autre chose. Mais de grandes promesses pour l'avenir. On peut peut-être avoir la date de sortie de Lost Ark Today. Ah, on va peut-être avoir la sortie de Lost Ark Today, mais c'est incroyable. Ah ouais, c'est cool, tant mieux. Tant mieux, on pourra se donner une deadline, c'est cool. Bah en vrai, franchement, moi, ça m'intéresse. En plus, je sais quelle classe je jouerai, donc 18h, une conf, on verra bien. Écoutez, mes amis, je touche du bois et on pourra en parler lundi, du coup, on va suivre ça attentivement. Et non, en fait, j'ai regardé Bard et j'ai trouvé le feeling des compétences, parce que vous savez, les vidéos de Lost Ark, elles avaient beaucoup tourné sur comment ils présentaient toutes les compétences, comment c'était le rendu et que ça donnait sur le PvE. Et franchement, j'avais trouvé ça moins bien Bard que Paladin. Et Paladin reste un support, et moi j'aime bien jouer support, donc je me dis, allez Paladin, pourquoi pas? Oh oui! Du coup, voilà, Paladin, je pense que ça va être ma classe sur le Stark, si jamais. Après les moments à leur sortie, c'est très compliqué. Tout à fait, Falcat, c'est un domaine et un secteur extrêmement compliqué. S'il approuvera, parfait. Si je suis validé, c'est génial. Et c'est vrai, et là, la chance qu'on a avec Lost Ark, c'est que le jeu existe depuis 5 ans, sorti d'abord en Asie, puis en Russie. Il bénéficie d'une version occidentalisée, donc qui devrait s'appuyer sur des bases solides, donc, comme on dit. Mes amis, c'était un live extraordinaire, je suis très content, c'était un live surprise, et finalement, c'était une excellente idée de stream, vous m'avez donné beaucoup d'énergie, on a bien rigolé. Je vous fais des gros bisous, bonne fin de semaine, Falcat, force pour ton dos. Les autres, force pour la fin de semaine, essayez de vous reposer, profitez un peu. Et oui, RIP la Dynamo, on lui fera une cérémonie. Vous pensez bien qu'on peut pas lui dire au revoir comme ça. On lui fera une cérémonie, comme il se doit. Et peut-être qu'on fera une sorte de commémoration avec l'arrivée de la nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de passation de pouvoir, un peu. C'est un peu dansé, c'est un peu actuel comme idée, n'est-ce pas? Mes amis, passez une excellente fin de journée. Une excellente fin de semaine. On se revoit lundi pour la suite de cette enquête et pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous et des bisous, mes petits dynamos. Un peu de musique pour dire au revoir ce mardi. Au revoir.